Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Founim. Les amis, la réponse de LRG, elle a fait mal. Alors on va y revenir. Pour ça, je remets les choses dans le contexte. Il y a à peu près une semaine, j'ai effectué une vidéo sur le nouveau Turtle qu'on attend tous, le Turtle, la revanche de Shredder. Ce Turtle, il me hype de ouf. Et évidemment, pour un Turtle, pour une occasion, hein, d'un jeu que j'attends depuis des mois, j'ai envie de me le prendre dans une édition physique qui m'attire. Hein. Donc j'avais fait une vidéo pour ça, où j'ai présenté un peu les différentes possibilités, en parlant un petit peu de LRG, en parlant aussi de ce qu'on va pouvoir avoir en France avec Just for Games. Et la fameuse édition signature qui était plutôt attractive, plaisante. Mais j'ai précisé au cours de la vidéo que LRG avait fait une première, on va dire, publicité, mais qui n'était pas, pas actée, qu'il y aura peut-être un autre collector. Et bah la réponse allait tomber cette nuit. Ouf. Là, je crois qu'ils ont mis le paquet. Alors, ils ont mis le paquet. Après, je connais pas la qualité. Mais en tout cas, ils ont essayé de mettre le paquet. Ils savent que Tortue Ninja, ça attire. Ils se sont dit, on va mettre, évidemment, comme d'habitude, deux éditions. Enfin, trois, le jeu simple. Une édition intermédiaire et une grosse édition. J'avais un doute s'ils allaient le faire un peu comme Contra ou Castlevania. Et ils l'ont fait. Et là, c'est du lourd, les amis. Alors, je vais présenter un peu le contexte. Je dis, c'est du lourd. Mais il y a peut-être... On va faire une analyse ensemble. Est-ce qu'il y a des goodies nécessaire, indispensable, est-ce que c'est bien réfléchi, etc. C'est ce qu'on va se poser comme question. J'ai l'ordinateur juste à ma gauche pour pouvoir détailler tout ça dans le détail. Alors, la première chose, déjà, ce sont les tarots. Ils sont connus. Les tarots sont connus. Grossièrement, le jeu simple classique. Hein. Ensuite, l'édition intermédiaire autour de 60$. Et la big édition à 200$. La date, c'est coming soon, on ne connaît pas tout à fait la date de précommande, au même titre que la date de sortie. Tout ça, c'est évidemment, si vous commandez un collector, vous n'aurez jamais le collector au moment de la date de sortie du jeu. Donc faut avoir conscience que si on commande le gros collector, on risque d'attendre vraiment le plus longtemps. Donc deux alternatives, soit on achète le collector et on attend très longtemps sans souci, mais à côté on achète en dématérialisé le jeu pour pouvoir y jouer. Pour pas être lésé et jouer un an après tout le monde. Soit on se dit, bah c'est beaucoup trop tard, on n'achète que le jeu. Soit on se dit, bah j'achète le collector et je suis patient et j'y jouerai un an après tout le monde. Moi, je suis pas trop dans cette optique-là. Je pense que si je me prends le collector, je me prendrai le jeu en édition des maths pour pouvoir y jouer au préalable. Et puis le reste, ça sera de la collection. Hein, je vais pas, déjà que j'attends depuis très longtemps, je vais pas attendre un an de plus. Alors, donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose que je n'ai pas précisé au cours de mes précédentes vidéos, parce que j'avais pas forcément l'information, même si, une fois, ça m'avait un peu interpellé. J'ai l'impression que au delà d'un certain montant, autour de 150€ à peu près, 150$, il n'y a pas de taxes chez LRG. Les taxes, elles sont pour les montants inférieurs. J'ai vraiment cette impression-là. Est-ce que c'est vraiment un prix pile de 150€? Ça, j'en suis pas sûr. Mais je pense que pour le gros collector à 200$, bah vous paierez 200$ plus les frais d'envoi. Par contre, si vous prenez le collecteur à 60$, vous aurez le collecteur à 60$, les frais d'envoi plus les taxes qui seront à peu près en gros autour de 15-20$ pour ce montant-là. Donc, ça, c'est une deuxième chose importante à signaler. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans le contenu. Alors, il faut savoir que LRG va proposer ce jeu sur différents supports, sur 4 supports en particulier, Switch, PS4, Xbox, mais aussi PC. Alors, pour eux, d'un point de vue commercial, évidemment, c'est intéressant. Ils distribuent et hein, ils ont un panel de clientèle très large. Évidemment, d'un point de vue personnel aussi, moi, je suis content de le trouver sur Switch. D'autres sont contents de le trouver peut-être sur PC, sur PS4. Pas grand-chose qui diffère entre ces versions, en tout cas sur la version Xbox, PS4 et Switch. Très fidèle, hein. Une VHS, enfin, pas une VHS, hein. Je pense que c'est un goodies type VHS, un steelbook, bien sympa, le steelbook, ça j'apprécie toujours les steelbooks, une cover réversible, les fameux stickers que j'avais présentés, Tortue Ninja, les personnages jouables, les 4 tortues plus Shredder et April, et enfin un petit certificat pour présenter un peu un petit goodies, pizza gratuite, un petit accessoire en plus. Ça, c'est pour les versions standard.
pour la version PC, davantage, enfin des objets un peu différents. On a de souvenirs une big box type PC, clé USB, un tapis de souris, des choses orientées autour PC. Ça, c'est la version intermédiaire, la version à 60-65$. Voilà, en gros, dans le collector, c'est des petits goodies pour agrémenter en plus du jeu. Est-ce que ça vaut 30€ de plus, 25€ de plus, on va dire, par rapport au jeu simple? Je ne sais pas, à vous de décider. Je pense que c'est quand même une édition intermédiaire, un rapport qualité-prix qui est un peu plus intéressant, mais n'oubliez pas qu'il y a les taxes sur cette commande. Bref, ce qui m'a interpellé, moi, c'est le Big Collector. Hein, l'édition radicale, il l'appelle la radicale édition, puisque pour le moment, j'étais focalisé sur l'édition signature Just for Game et je ne la mets pas de côté, puisque c'est en France qu'on aura cette possibilité. Je ne connais pas encore le tarif de l'édition de Just for Game, donc c'est quand même aussi une chose importante. Par contre, je connais le tarif maintenant, aujourd'hui, de celle LRG, $199. Alors, je vais spécifier un peu ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une big box. Alors ça, c'est sur Switch, ce que je vous parle. Une grosse boîte qui a un contenu énorme. J'ai pas compté, je peux compter avec vous le nombre d'objets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 objets dans la boîte. Ah, et quand je dis une grosse boîte, c'est une grosse boîte. Alors, on va faire le tour des objets. Le premier objet, hein, c'est, ils appellent ça un Retro Style Slip Cover. Donc, c'est une cover un peu type... c'est juste une cover en fait, mais à l'esprit rétro. Bon, visuellement, un goodies visuel sans plus. Une VHS, hein, une VHS, une box, une boîte type VHS, style VHS, avec une, j'imagine, une fausse VHS à l'intérieur. Hein, y a pas, c'est juste un goodies, je pense, hein, j'en suis quasiment sûr en venant d'élargir. Ensuite, le Strategy Guide. Ça peut être sympa, mais qu'est-ce qu'ils ont mis dedans vraiment? Est-ce que dans ce jeu-là, dans le Turtle qu'on attend, est-ce qu'on peut imaginer un beat'em all un peu... Alors, les puristes, entre guillemets, vont me comprendre, hein, un peu comme Paprium. Ça veut dire que, pour ceux qui n'ont pas fait Paprium, en gros, il y a des bifurcations au niveau des chemins, des subtilités dans les décors qui font qu'on peut avoir des choses cachées. Et franchement, c'est plaisant. Quand on joue au beat'em all, à la base, on avance en bourrine. Là, il y a aussi un petit principe de... Tu joues avec en te disant, bah, attention, il faut que je fasse gaffe s'il n'y a pas un petit passage secret, quelque chose que je peux... un personnage nouveau que je peux rencontrer, un chemin secret que je peux prendre. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a la même chose dans le Turtle? Peut-être, je ne sais pas. Et on pourra peut-être retrouver ces choses dans le Strategy Guide, ou alors c'est simplement des conseils pour combattre ce genre de choses. Mais, point d'interrogation. Ensuite, il y a évidemment le Steelbook, qu'on pouvait rencontrer dans l'édition intermédiaire, que je trouve sympa, je précise, hein, je l'ai déjà précisé tout à l'heure, j'aime bien ces objets de Steelbook-là. Pour le moment, dans les objets que je viens de décrire, le guide stratégique et puis le Steelbook, c'est les deux objets qui m'attirent le plus. Ensuite, un poster. Alors, poster Tortue Ninja, moi je dis oui, c'est carrément stylé dans une gaming room, on le met dans un beau cadre, etc. Mais poster Tortue Ninja de LRG plié, là je dis non. Et là, il fait 18 x 24, ils vont le plier, c'est une certitude. Donc ça, c'est dommage. Alors, la cover du poster, c'est la même cover que celle du Steelbook, qui est la même cover que celle de la boîte du jeu. On continue. On a toujours le petit certificat pizza gratuit, là. Ensuite, évidemment, on a le jeu avec cover réversible. Et ensuite, c'est là, c'est où? Ils font un blister rigide, un package type blister rigide. C'est assez bizarre. C'est avec dans la partie carton du blister. En fait, c'est un blister rigide pour le jeu. Et autour, une partie carton avec des belles illustrations de tortues. Mais ça veut dire qu'ils ont été loin. Ils se sont dit, les blisters, ça intéresse du monde. Les rétro gamers, on va mettre... Bon, moi, je trouve ça, c'est vraiment tiré par les cheveux. Mais bon. Ensuite, et ça, je trouve ça sympa. Après, avoir la qualité. Il y a un petit jouet, hein, de Shredder. À l'esprit Tortue Ninja, avec le fond sous blister, quoi, en fait. Avec les petits équipements. Ça, je trouve ça sympa. Parce que j'aimais bien ça quand j'étais plus jeune. Donc l'aspect nostalgique, là, il revient en surface. Donc ça, j'aime bien comme objet.
Ensuite, il y a une Shadowbox. Hein. Je pense que les Shadowbox, c'est les. Je pense qu'elle sera à effet. Alors, ils n'ont pas précisé si c'était à effet lenticulaire ou pas. Mais je trouve ça sympa d'un point de vue design. Dans une vitrine, etc. Ça ressort bien. Les stickers. Les 6 stickers que j'ai présentés tout à l'heure. Les musiques, évidemment. Et enfin, une réplique d'une petite borne d'arcade. Ça, je trouve ça aussi sympa en point de vue déco. Ils ont quand même bien, hein, dans cette édition radicale, bien fourni le collecteur. Ils ont voulu, comme j'ai dit, voilà, marquer le coup. Alors évidemment, dans tous les goodies que j'ai présentés, il y en a qui servent à rien. Alors, la plupart, de toute façon, un goodies en soi, il sert pas à grand chose. Mais je veux dire, il y a des beaux objets de déco qui ont cette utilité au moins là. Il y a d'autres objets qu'on ne sait pas trop comment on va présenter, c'est un peu moins style. Là, faut l'avouer, hein, je ne suis pas du tout fan de LRG, mais faut l'avouer, ils ont mis le paquet sur cette édition en termes de contenu. Est-ce que ça justifie les 199,99$, les 200$? Je pense pas, je pense que c'est un peu cher. Parce qu'avec les frais d'envoi, en ce moment, la conversion euro-dollar, elle est quasiment identique. Donc en gros, ça va vous coûter 210€, je pense. 210€, c'est pas négligeable. Avec ça, on peut acheter pas mal de choses. Maintenant, les fans de Tortue Ninja, les fans de Retro Gaming, les fans de Beat'em All, hein, Beat'em Up, ils vont peut-être se laisser tenter. Je pense qu'ils vont faire, comme d'habitude, une plage de 5 semaines ou 6 semaines de précommande. Ah, d'ailleurs, au moment où je tourne la vidéo, j'ai toujours pas commandé le contrat. Il faut que je le fasse, c'est les derniers jours. Je crois que c'est dimanche le dernier jour. Moi, en tant que Funiman, maintenant je vais donner mon point de vue. Je vais attendre l'édition signature de Just for Game, en espérant que ça soit compatible avec la précommande de LRG, c'est-à-dire que si LRG propose une précommande sur cette plage horaire-là, et que Just for Game ont annoncé avant finalement leur précommande, ou alors c'est une intersection commune, je vais pouvoir comparer et faire mon choix. Si par contre ça se passe avant ou totalement après, hein, ça va être plus compliqué parce que du coup je vais devoir faire un choix pour LRG sans connaître le tarif de Just for Game, ou j'allais dire, ou l'inverse, non pas forcément. Si Just for Game c'est avant, au moins j'aurai le temps de réflexion. Le prix va être déterminant, évidemment. Maintenant, la qualité de ce que proposent les deux, voilà, Just for Game et LRG, bah, c'est discutable. C'est discutable, c'est des objets un peu différents en soi. Il y a quand même beaucoup plus de contenu chez LRG, mais le prix, à mon avis, sera aussi radicalement différent. Donc, c'est à comparer. Je pense, aujourd'hui, que j'ai peut-être plus Just for Game si le prix est attractif. Si, par contre, le prix est élevé, hein, très proche du prix que ce que présentait LRG, bon, ce qui serait très, très étonnant. Là, dans ce cas-là, je vais réfléchir. Mais ce qui est sûr, c'est que je prendrai un collecteur Turtle. Sauf s'il y a accident, évidemment, mais... Je veux un collecteur de Tortue Ninja type sur un jeu qui me hype. Là, comme je vous ai dit, le jeu, je veux y jouer. J'ai hâte d'y jouer. Donc, évidemment, je vais me faire plaisir en prenant un collecteur. Hein, ça me fait penser un peu à Street of Rage 4, la hype que j'avais à ce moment-là. C'est bizarre, mais voilà, c'est une belle comparaison. Maintenant, je vous cache pas que Street of Rage 4, je l'ai un peu en travers de la gorge. Parce qu'ils annonçaient LRG, 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 donc j'ai tout de suite précommandé. Et par la suite, on pouvait le trouver partout, et plus rapidement, et un peu moins cher. Donc je peux vous dire que je l'avais là. Pour Turtle, c'est un peu différent, je me suis renseigné sur tous les plans, donc maintenant je sais où je mets les pieds. Par contre, plus ça avance, plus les tarifs de LRG montent. Hein. C'est bon. En tout cas, sur leur Big Collector, j'ai cette impression-là. Maintenant, j'attends aussi vos retours, votre retour, parce que... On avait discuté en commentaire sur la précédente vidéo, mais on n'avait pas connaissance de ce que LRG pouvait vraiment proposer. Maintenant, on le voit. Ils veulent nous attirer, nous hyper. Ils y arrivent un peu, mais il faut qu'on soit posé et qu'on ait vraiment une belle réflexion par rapport à ça. Moi, je vais déjà me pencher sur le contrat, faire mon choix assez vite. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en ce moment. Hein. Final Vendetta, il y en a plein de jeux qui me... Waouh ! Je sais plus trop où donner de la tête. D'ailleurs, je vais faire prochainement une vidéo où je vais parler de... Voilà, une sélection de 5 jeux qui me hype. Et je vais pas rentrer sur des jeux rétro, des choses comme ça. Je parle des jeux qui prochainement ou qui viennent de sortir. 5 jeux, une sélection de 5 jeux qui me hype.
Et peut-être vous également, et puis ça me permet d'aller voir et découvrir d'autres jeux. En ce moment, je suis très 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 Nintendo Switch. Donc j'essaie d'acheter et de finir le jeu. Je rachète, je finis. Là, on joue en boucle avec les enfants à Wargroove. C'est vraiment un jeu techniquement, stratégiquement parlant, qui est riche. Et je regrette pas mon achat de soldes là si haut. Et d'ailleurs, les soldes arrivent bientôt, les amis. Le 22 juin, ça arrive. Oh là là, le porte-monnaie, il va avoir mal. Voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce vers le haut, le pouce qui fait plaisir, et puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.